Et à toutes, et bienvenue à ce webinaire de formation sur la participation et l'engagement des parents dans l'éducation de la littératie financière chez les jeunes âgés de 16 à 24 ans. Mon nom est Jean-François et je serai votre animateur pour la journée. Tout d'abord, un petit mot de remerciement car le programme de formation qu'on offre aujourd'hui est en fait rendu possible grâce à l'obtention d'un financement de la part du ministère de l'Éducation du gouvernement de l'Ontario. Dans l'objectif d'éduquer et d'outiller les parents à discuter de la finance auprès de leurs jeunes euh, et auprès de d'autres adultes euh, qui sont âgés entre 16 et 24 ans. Donc, un chaleureux mot de remerciement pour cette subvention qui a rendu possible la diffusion d'aujourd'hui. Euh, la matière vue dans ce webinaire, qui sera d'une durée approximative d'une heure et demie, touchera les éléments essentiels de la littératie financière. Donc, après une courte introduction et la présentation du CCO, et euh, après avoir revu les objectifs de la séance, on passera à différentes thématiques, dont la création d'un budget, le crédit, le surendettement les bonnes prises de décision en matière de consommation, de choix de consommation, l'épargne, les placements, les gros achats tels que le transport, partir en appartement, la protection du consommateur en Ontario, l'achat d'un cellulaire, les études, l'emploi, l'impôt, les droits et responsabilités, ainsi que les institutions financières et les assurances. Pour toute question, tout commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous concernant ce programme ou d'autres formations qu'on offre ici au Conseil de la Coopération de l'Ontario. Euh, nos informations de contact seront données à la toute fin de la présentation. Normalement, on ferait un tour de table si c'était dans une de nos séances qu'on a offert à travers l'Ontario. Donc, ce programme de formation a été offert à Ottawa, Oxbury, Cornwall, London, Toronto, North Bay, Sudbury, ainsi que Temeskaming Shore. Et nous donnons cette dernière formation en ligne pour le bien de tous et chacun. Euh, si vous vous interrogez à savoir qui est le Conseil de la coopération de l'Ontario, en fait, on est l'organisme de représentation par excellence du secteur de l'économie collective, c'est-à-dire les coopératives, les entreprises sociales francophones et bilingues en Ontario. On a six points de service à travers la province, donc euh, Ottawa, Toronto, Windsor, Sudbury, Thames Shore et Thunder Bay. Et on a cinq spécialisations, soit le développement des entreprises sociales et coopératives, le développement économique communautaire. On fait également de la recherche, de l'innovation sociale, la gestion organisationnelle et nous avons débuté tout récemment à faire des affaires internationales. Euh, parmi la gamme de services qu'on offre à la communauté, des formations telles qu'aujourd'hui dans le secteur entrepreneurial, dans le secteur communautaire, le renforcement de capacités, mais on fait également de l'accompagnement, du coaching, on fait de la rédaction stratégique, des recherches sectorielles, la gestion d'événements, des planifications. Euh, des gestions contractuelles, du développement de stratégies de communication, bref, n'importe quel service qui euh, touche aux entreprises collectives francophones et bilingues de la province. Donc, on est l'organisme que vous devriez absolument approcher si l'un de ces services vous tient à cœur. Euh, les objectifs de la séance d'aujourd'hui sont triples. D'abord, on va essayer de mieux comprendre le rôle de la littératie financière dans notre vie de tous les jours. On va essayer de promouvoir de, pardon, de pouvoir comprendre les notions élémentaires et intermédiaires de littératie financière. Et finalement, on va essayer de transmettre ces informations à, à vos enfants, à vos jeunes adolescents, euh, aux membres de la famille qui vous entourent, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et si jamais vous recherchez euh, davantage d'informations, nous vous conseillons fortement le programme Mes finances, mes choix, qui est offert à travers la province de l'Ontario. Euh, qui est un programme complet en 16 modules, qui est offert en milieu scolaire et en milieu communautaire, qui donnera là, beaucoup plus de précision, qui va un pas plus loin avec quelques activités ludiques euh, sur la matière que nous offrons ici euh, dans le cadre de ce webinaire. Il y a une différence... Euh, il y a différents outils qui peuvent vous aider, par exemple en matière de langage comptable. Il y a des outils en ligne tels que la littératie financière au Canada, donnée par l'Agence de consommation en matière financière du Canada. Euh... Et puis, il y a différents autres euh, programmes qui existent, le plus spécialisé, que vous pouvez retrouver en ligne. Donc, aujourd'hui, euh, il s'agit d'une introduction de base à la littératie financière. C'est pour voir l'ensemble du spectre. Et après, vous pouvez vous spécialiser là, dans les branches qui vous intéressent. Et juste avant de passer au premier module, quand on parle de littératie financière, en tant que telle, on parle de quoi exactement? La littératie financière, ben, c'est le fait, en fait, de disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables et éclairées. C'est, euh, la définition qu'on retient du gouvernement du Canada et que nous retenons également, nous, au CCO. Maintenant, nous pouvons passer au premier module de formation. Commençons avec la base, le budget. Vous avez sûrement entendu parler de différents modèles, de différentes façons de faire un budget. Euh, sûrement, certaines personnes d'entre vous en ont déjà fait. Euh, que ça soit sous forme de calendrier, que ça soit sous la forme d'un tableur Excel, il y a plusieurs façons en fait de faire un budget. C'est vraiment la base de la littératie financière, ça nous permet de mesurer dans le fond nos entrées et nos sorties d'argent. C'est ni plus ni moins, ça c'est le budget, la... c'est un outil de base en fait. C'est la base de toute la planification financière. Il nous vous permet de voir toutes les sources de revenus, toutes confondues qu'on peut avoir, que ce soit nos, par exemple, nos emplois, nos investissements, euh, tout ce qui rentre. Euh, et également toutes les dépenses prévues, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. C'est l'outil qui nous permet également de voir concrètement l'utilisation des fonds, l'utilisation judicieuse ou non qu'on en fait, les surplus disponibles, les manquements à combler et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre sur une période euh, temporelle. Euh, si on doit faire des ajustements, quels sont les ajustements qu'on doit faire Le budget est un outil de base qui est fondamental. On peut pas s'en sauver. C'est vraiment la chose par laquelle on doit débuter. C'est à la fois un outil qui nous permet de bien gérer et de prévoir. Ça a donc deux fonctions. Ça a une fonction fixe dans le temps, puis ça a une fonction pour prévoir euh, à un certain moment dans le futur. Il faut voir le budget comme un allié et non pas un ennemi. C'est un outil qui nous permet d'abord et avant tout de nous aider nous-mêmes à euh, faire des bonnes pratiques de gestion financière et c'est quelque chose qu'on peut intégrer facilement à la routine. Souvent on a ce mythe-là que le budget en fait c'est quelque chose qui se fait une fois par mois mais en fait... Euh, ou même une fois par année, mais on peut y revenir souvent, on peut réviser, faire des corrections, ajuster le tir. Et ça nous permet, d quand on l'intègre à notre routine, de justement bien assurer une prévision des dépenses et s'assurer qu'on a un bon fonds de roulement. Un budget, c'est simple, il y a euh, trois, si on veut, facettes. Euh, il y a d'abord la, la catégorie « les recettes » ou « les revenus qu'on génère ». Il y a la catégorie « dépenses » en tant que telle. Qu'est-ce qu qu qui sort de euh, notre euh, revenu et le surplus ou le déficit qui en reste. Le budget permet d'atteindre des objectifs financiers précis, de cibler ses priorités, de réduire son stress. Si on se donne par exemple un but quelconque, c'est-à-dire l'achat par exemple d'une voiture ou ou de déménager en appartement, d'entreprendre des études universitaires. Le budget permet de justement calculer les façons dont on peut approcher ce projet spécifique euh, en tête. Puis, il y a différents types de budgets comme je l'ai mentionné précédemment. Il y a des budgets prévisionnels qui, sont, qui permettent, par exemple, de mesurer dans le temps l'atteinte d'un objectif. Il y a des budgets qui sont euh, avec une certaine périocidée, périocidée, périodicité. Pardon. Ils peuvent être quotidiens, mensuels, hebdomadaires, annuels, pluriannuels, quinquennales. Euh, L'échelle temporelle que vous, vous vous donnez va vous donner la portée de votre budget. Euh, par exemple, le budget prévisionnel établit l'ensemble des dépenses et des revenus pour l'année en cours ou à venir. Ça permet de planifier les achats dans le futur et de faire un suivi des prévisions en relation avec la réalité. Euh, L'idéal, c'est de pouvoir avoir un budget qui reflète le plus la réalité qui vous concerne. Euh, tant qu'à eux, les budgets mensuels, hebdomadaires et quotidiens permettent de suivre l'évolution des montants selon la période donnée. Et le format calendrier est une option parmi tant d'autres. Euh, il y a le tableur classique, si on veut que vous retrouvez, vous pouvez retrouver plusieurs de ces modèles en ligne. Euh, L'important, c'est de visualiser concrètement les entrées et les sorties. Il faut pouvoir voir l'interrelation entre ces deux postes euh, clairement. Tant que c'est visuellement concret, c'est ça l'essentiel lorsqu'on réalise un budget, il y a des étapes fondamentales euh, à suivre. Il faut d'abord identifier les besoins. C'est l'étape cruciale avant même de faire un budget, c'est on identifie quels sont nos besoins en tant que tel. Donc les besoins peuvent être de base, comme par exemple le logement, la nourriture, etc. Mais ils peuvent être aussi également des besoins de réalisation, d'affirmation de soi, entreprendre des études ou poursuivre un cheminement de carrière spécifique. Ça peut être des besoins. Pour certaines personnes, l'entrepreneuriat est un besoin absolument de pouvoir développer des projets d'affaires et pouvoir réaliser des nouvelles euh, ventures pour reprendre un, un terme anglais. Euh, en identifiant bien ces besoins, en les ciblant et en les quantifiant, on peut être à même de passer à la prochaine étape qui est faire des prévisions budgétaires. Donc, sur une échelle temporelle donnée et à l'aide des montants que vous avez dépensés dans le passé, estimer les prévisions budgétaires pour la période qui vous intéresse. L'étape numéro trois, c'est noter les revenus, les dépenses réelles, donc mesurer le rapport réalité versus prévision et pouvoir faire des corrections nécessaires, ajuster, puis euh, raffiner si on veut ses prévisions. Puis à la toute fin, la dernière étape, c'est de comparer les prévisions avec les dépenses. Donc, en faisant la comparaison, on peut voir si on dégage un surplus, c'est-à-dire on a de l'argent en extra qu'on peut mettre de côté ou, euh, disons, allouer à des projets autres. Ou si on veut, on peut, s'il y a des montants en souffrance pouvoir justement aller euh, rembourser ses dettes, etc. Et s'il y a un déficit, pouvoir ajuster la chose avec des nouvelles rentrées d'argent. À la question du budget vient également la question du crédit, du surendettement, qui sont probablement deux thématiques là, qui sont les plus euh, si on veut qu'il y a toujours un tabou, on hésite souvent à en parler, mais c'est très, très, très important lorsque vous avez cette discussion-là avec vos jeunes, euh, quand vous vous asseyez, quand vous avez cette conversation-là, en tant que parent, vous devez être capable de parler justement du crédit, du surendettement. Euh, Plusieurs d'entre vous ont sûrement déjà une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt peut-être auprès d'une institution financière, d'une coopérative, d'une mutuelle. Euh, Est-ce que vous avez déjà parlé à vos proches justement de, du coût lié à l'utilisation du crédit? Parce que le crédit peut être un outil indispensable dans l'économie moderne, mais c'est une lame à double tranchant. Le crédit facilite certaines transactions, certains types de transactions spécifiques, mais peut mener à des problèmes sérieux s'il est mal géré, et si on ne porte pas une attention particulière. On entend souvent parlant, parler des dangers du surendettement. Euh, les individus, les entreprises euh, peuvent être sujettes à cela. Et les conséquences sur la vie sociale, sur la santé des personnes sur endettement peuvent être considérablement dramatiques. Donc, c'est important d'avoir cette discussion-là définitivement avec les personnes qui vous entourent. Euh, essentiellement, dans la première partie de la présentation, on a vu comment structurer un bon budget. On va maintenant sauter à comment gérer certaines entrées spécifiques d'argent. Le crédit... Ni plus ni moins, c'est la capacité d'acheter ou d'emprunter contre une promesse de paiement, une date ultérieure. Donc, on promet souvent sur une période mensuelle de repayer euh, la personne à qui on doit le crédit, que ça peut être une institution financière classique, ça peut être une coopérative, une mutuelle, ça peut être... Il y a différentes façons de pouvoir structurer là, Puis le, le crédit et l'offre de crédit. À cela s'ajoute la question de l'intérêt. Qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est le coût du crédit. Euh, c'est essentiellement le montant que le prêteur de l'argent ajoute au montant du prêt. Le taux d'intérêt varie selon les risques et le temps de remboursement. Si le risque est petit et le temps de remboursement est petit, souvent les frais sont minimes, mais plus le, le temps augmente et plus les taux d'intérêt... Euh, vont varier selon le risque euh, de prêter cette somme initiale. Et tout ça est encadré par ce qu'on appelle un dossier de crédit. C'est le résumé des antécédents en matière de crédit. Donc, il y a deux grandes entreprises ici au Canada qui sont euh, en charge, si on veut, de gérer votre dossier de crédit. Euh, vous les connaissez sûrement, Equifax et TransUnion, qui, euh, dans le fond, gèrent votre dossier de crédit comme un bulletin qui porte sur vos finances et contient des renseignements sur les cartes de crédit, sur les prêts, sur tout ce que vous payez et détermine avec une cote de crédit si vous êtes un bon euh, prêteur ou ben, plutôt en fait un, un, une bonne personne euh, pour qui les prêteurs peuvent prêter de l'argent. Euh, ou pas. Et votre cote va vous suivre tout au long de votre vie. L'utilisation du crédit, comme mentionné, comporte des avantages et des désavantages. Parmi les avantages, on note entre autres un emprunt instantané euh, qui se fait en, en quelques instants. Donc il y a une disponibilité du capital qui est vraiment intéressante. Ça peut se faire par de multiples médiums. Ça peut être en personne, dans une institution financière, au téléphone, par Internet. Et Il n'y a pas de frais payés si le solde de la carte est payé euh, au complet et à temps. Il y a différentes récompenses et avantages qui peuvent être juxtaposés à ces cartes. Mais parmi les, in les inconvénients, on retrouve l'accumulation de dettes. Euh, on peut notamment nuire à la carte de crédit si elle n'est pas bien... Euh, ajusté avec le temps. Euh, il peut être de, di, difficile même pour certaines personnes de résister à l'utilisation du crédit, donc il faut être conscient de ses avantages et désavantages. Euh, si le crédit est un couteau à double tranchant, il vous permet par contre de réaliser des projets ou de répondre à certains besoins de consommation qui sont réfléchis. Euh, tant et si longtemps que vous respectez votre capacité à payer. Donc, vous pouvez calculer justement euh, sur une période mensuelle votre utilisation de crédit. Quelques trucs et astuces pour bien gérer la situation. Euh, il faut tout d'abord comprendre son rôle, éviter les achats impulsifs. Donc, de là, le, 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 le truc de justement planifier ses achats. Euh, Également, faire énormément de recherches, comparer les prix avant de choisir une carte. C'est possible de magasiner. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, auprès des différentes institutions financières, les taux d'intérêt, les frais annuels, les délais pour le remboursement, euh, tout ce qui entoure, par exemple, les pénalités en cas de rupture de contrat. Euh, ça se recherche. Et l'information est disponible euh, tant en personne dans votre institution financière que par téléphone ou sur le web. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous pouvez vous faire un carnet, si vous voulez, avec qui, à chacune des pages, compare les différentes offres. Puis, vous pouvez en cho ensuite choisir l'offre qui vous semble la plus ajustée. Toujours, toujours magasiner euh, ces cartes. Euh, évitez au départ d'en avoir plusieurs. Une carte suffit généralement. Euh, tant que vous êtes en mesure de pouvoir repayer la balance à chaque mois, euh, au départ, quand vous commencez votre vie, une seule carte suffit. Euh, le respect de la date de paiement, évidemment, c'est très important. Euh, payer le, le solde total de sa carte, euh, c'est très intéressant pour un jeune, par exemple, de payer seulement la somme minimale et d'attendre au prochain mois, mais les intérêts peuvent s'accumuler vite. Et on voit par exemple la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé qui peuvent euh, justement affecter euh, l'accumulation des dettes. Hein. Si, on se, si on peut résumer la chose vraiment brièvement, l'intérêt simple c'est l'intérêt qui est accumulé sur le capital initial. L'intérêt composé c'est l'intérêt accumulé sur le capital initial plus euh, l'intérêt non payé euh, à, la, à chaque mois. Donc, euh, si vous, euh, vous accumulez des dettes et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir rembourser à chaque mois, c'est peut-être un signe que vous devez pa parler, par exemple, à votre conseiller financier pour voir quelles solutions euh, seraient possibles. On a parlé plutôt de la cote de crédit. En général, les institutions financières vont mentionner qu'une cote au-dessus de 650 est considérée comme... Bonne. Donc, il est possible de vérifier justement sa cote de crédit en ligne euh, en contactant l'une des deux institutions que j'ai mentionnées précédemment ou regarder les options qui s'offrent à vous avec votre institution financière pour voir euh, quels sont les impacts de votre pointage de crédit pour vos projets à venir, par exemple. Si vous vous êtes donné des objectifs au départ quand vous avez construit votre budget, si vous voulez voyager, si vous voulez entreprendre des études, euh, ou si vous êtes un parent qui parlait de ces choses-là spécifiquement avec vos enfants, vous pouvez passer à travers les démarches ensemble. Euh, la cote de crédit se bâtit au fil du temps et va vous suivre toute votre vie. Donc, c'est très important de pouvoir justement développer une bonne cote qui pourra ensuite affecter vos projets euh, dans l'avenir. Je vais donner un exemple euh, très typique. Supposons, euh, parce qu'on a parlé plutôt d'intérêt simple versus intérêt composé, euh, je pense qu'une une mise en pratique serait peut-être euh, l'idéal. Pensons par exemple à un achat pour un, un bien. Par exemple, vous décidez d'acheter une console de jeux vidéo. Euh, L'achat initial représente à peu près 1000 puis euh, vous ne pouvez pas le payer parce que vous recevez votre paye seulement dans deux semaines, mais vous décidez de l'acheter à crédit. Si vous avez de euh, euh, si l'intérêt simple sur votre carte, le taux d'intérêt, par exemple, est fixé à 5 On va supposer ça. Euh, le, le premier montant d'intérêt, ça serait 1000 plus 5 ce qui équivalerait à 50$. C'est le. le, le le frais encouru pour s'il n'y a pas de, de repaiement, si on veut. Donc, euh, c'est le, 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 le taux d'intérêt dans l'optique que vous ne repayez pas vo, votre carte, ça va s'accumuler. Mais si vous avez un intérêt composé, c'est pour le même montant, c'est 1000 5% du montant, c'est 50 mais l'intérêt composé va faire en sorte que la dette accumulée va être non pas 1000 plus 5 plus 5 plus 5 mais 1050 plus 5 pour le prochain mois. Puis après, 1551 plus 5 Donc, l'intérêt composé fait en sorte que la dette augmente de façon exponentielle. Donc, c'est très important de voir... Euh, les modalités spécifiques qui entourent votre carte. Puis comment vous pouvez justement faire cette distinction-là entre intérêt simple et intérêt composé. Et l'idéal, c'est de, toujours de pouvoir rembourser le plus rapidement possible. Puis quand on parlait d'endettement, spécifiquement plutôt, euh, pour donner une définition d'ensemble, l'endettement, c'est l'ensemble des sommes que doit payer l'emprunteur, c'est-à-dire vous. Il inclut non seulement le crédit, mais également toutes les factures qui s'ajoutent, euh, le loyer, les primes d'assurance, euh, l'épicerie, etc. Euh, ça, c'est l'endettement classique. Puis quand on parle de surendettement, c'est que l'endettement est trop élevé, à un tel point que l'emprunteur ne peut pas effectuer les paiements requis. C'est l'incapacité de payer sa dette sur le long terme. Cela se produit généralement lorsque les obligations financières de vous, l'emprunteur, sont plus élevés que les ressources financières. À ce moment-là, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Vous pouvez, à ce moment-là, diversifier vos sources de revenus. Il y a, par exemple, euh, différentes façons d'augmenter euh, les entrées d'argent, par exemple, un deuxième emploi ou un emprunt, etc., pour repayer certaines dettes spécifiques. Mais il y a certains signes que vous pouvez voir. Si jamais vous êtes dans une situation de surendettement, les retards fréquents de paiement, l'utilisation du crédit pour les dépenses courantes, les avances de fonds sur les cartes de crédit, les appels de certains créanciers au courant de la journée, la limite de crédit atteinte, payer du crédit avec du crédit. Euh, des chèques sans provision, par exemple. Tout ça, c'est des signes que les choses sont sur la dérive. À ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est lié à une mauvaise gestion financière? Pas nécessairement. Ça dépend de plusieurs facteurs. Euh, L'insuffisance des revenus peut être une cause majeure, une perte d'emploi ou euh, une trop grande charge de dette en raison des études, etc. C'est des facteurs qui sont déterminants. Souvent, qu'on n'a pas nécessairement le contrôle sur la situation. Avoir beaucoup d'argent ne nous protège pas nécessairement. Tout dépend de l'équilibre. On se rappelle dans notre budget l'équilibre entre les revenus et les dépenses, les dettes. Le niveau d'endettement est relatif et dépend euh, de la capacité à gérer et à contrôler sa situation personnelle. Ça peut être, bien sûr, une situation qui est seulement temporaire ou exceptionnelle, puis on peut revenir assez rapidement sur la pente. Par contre, si on ne revient pas, les conséquences du surendettement, c'est rien de bon en soi. Sur le co court terme, on peut parler de la dégradation du dossier de crédit. Perte d'accès au crédit traditionnel, appel des créanciers. Sur le long terme, on parle de perte de choix, euh, report de projet, il n'y a pas d'indépendance financière et même on peut se diriger vers une faillite personnelle. Sur le plan personnel, ça apporte un lot de stress, d'anxiété, perte de motivation, des conflits avec nous, notre famille, nos proches, nos amis, des problèmes de santé euh, et même peut lier, euh, être lié à la dépression en tant que telle. Donc, euh, pour remédier à la chose, il y a différentes solutions qui sont possibles. Ça peut partir, par exemple, d'un simple réaménagement du budget qui consiste principalement à réduire certaines dépenses ou augmenter les revenus afin d'affecter les sommes dégagées au remboursement des dettes on peut par exemple négocier certaines ententes avec le créancier on peut consolider nos dettes mais la dernière dernière option devrait être la faillite personnelle qui peut avoir un impact euh, sur le long terme sur votre dossier de crédit euh, à ce moment-là il revient à vous de faire la priorisation des dettes et ce de la meilleure façon possible donc, euh, certains éléments à considérer dans le choix des dettes à prioriser, c'est par exemple les besoins de base, euh, les conséquences. Euh, certaines dettes doivent être, doivent être priorisées avec des conséquences de non-paiement, euh, les taux d'intérêt, l'impact sur le dossier de crédit, les contraventions, etc. Il y a différents facteurs ici qui peuvent entrer en ligne de compte. L'idéal, c'est de suivre les règles suivantes régler les factures des fournisseurs de biens essentiels d'abord. Euh, Renégocier à la baisse les paiements euh, mensuels de la dette qui coûte le plus cher par mois. Choisir les créanciers à qui vous devez le plus d'argent, les prioriser euh, et choisir les créanciers qui vous ont déjà contacté pour être payés. Une fois que vous avez suivi ces règles, il vous est possible de procéder par élimination et après ça de, de s'attaquer aux moindres dettes et tranquillement, pas à pas, régler les problèmes. C'est des situations qui restent exceptionnelles, mais il faut être au courant justement de ces possibilités et trouver la meilleure piste de solution pour vous. À cette discussion sur l'endettement, le surendettement vient tout le discours entourant la prise de bonnes décisions et des bons choix de consommation. Euh, vous pouvez vous interroger à savoir, par exemple, comment est-ce que vos jeunes, vos enfants, vos adolescents décident de leurs achats. Est-ce qu'ils consomment, par exemple, selon la valeur de tel et tel achat, selon leurs amis, les célébrités, qui ont tous une influence, un mot à dire dans l'équation? Donc, c'est très important de comprendre quels choix sont éclairés. qu'est-ce qu'on La différence, dans le fond, entre un besoin et un désir, c'est ni plus ni moins cela. Euh, pour entrer dans le sujet, je vais vous poser une petite question que peut-être vous allez être surpris de la réponse. Combien pensez-vous d'annonces publicitaires? Est-ce que vous êtes exposé par jour? Vous vous promenez dans la rue, vous allez à gauche, à droite, vous allez dans une autre municipalité. Saviez-vous que vous avez. vous pouvez vous exposer à plus de 3000 annonces publicitaires. Pensez à toutes les activités. Vous allez sur la route, vous voyez un panneau ici et là, vous voyez des annonces, vous voyez. Euh, par exemple, une entrée pour un restaurant, pour une boutique, etc. Vous ouvrez le journal, vous, vous ouvrez votre compte sur les médias sociaux. Euh, ça paraît pas, mais ça s'accumule. Et donc, il y a différents médiums associés. Ça peut être les publicités sur les médias de masse, les publicités indirectes. Euh, ça peut être des publicités ciblées. Euh, ça peut être des médiums qui sont classiques, d'autres les médias sociaux. Et donc, on est extrêmement éposé, euh, exposé à la chose publicitaire. Ce qui fait que ça a une influence directe sur nos choix de consommation. Euh, et à cette couche de complexité s'ajoutent d'autres éléments. Euh, il faut penser, par exemple, à certaines promotions qui sont offertes au financement de certains produits ou services. Faut penser, par exemple, aux éléments d'obsolescence programmée de certains achats qu'on fait, l'inutilité de certains biens, les changements technologiques, les produits jetables, etc. Pensez à tous ces éléments parce qu'ils vont avoir une incidence directe sur les choix que vous faites au jour le jour et à l'impact que ça va avoir sur votre budget à la longue. Vous avez sûrement vu dans certains cours ou dans certains livres de psychologie la pyramide de Maslow. Euh, les besoins et les désirs illustrés euh, pour chaque individu, ça, ça part des, des besoins physiologiques de base. L'air, la nourriture, l'eau, les vêtements, les besoins de sécurité, hein, comme par exemple le logement, la stabilité, la bonne santé, la protection contre les dangers. Ensuite, on... On pense aux besoins sociaux, l'appartenance, l'affection, le soutien, le support moral, le besoin d'estime, tout ce qui est, par exemple, la confiance en soi, la bonne réputation. Et finalement, au top de la pyramide, on se retrouve avec les besoins d'épanouissement, développer ses habiletés professionnelles ou personnelles, les capacités d'utiliser ses talents, tous ces besoins et ces désirs. Sont conjugués à des choix de consommation. Les besoins physiologiques peuvent être par exemple liés à l'alimentation. Qu'on choisit, est-ce qu'on va pour du fast-food ou est-ce qu'on va pour un repas santé à la maison? Notre besoin de sécurité passe par le choix du logement. Par exemple, est-ce qu'on cherche par exemple un appartement, un condo, une maison semi-détachée, etc.? Les besoins sociaux peuvent être liés par exemple à euh, au type de relation qu'on va entretenir, est-ce qu'on fait des sports, des loisirs, etc., qui vont nous mettre en contact avec autrui. Les besoins d'estime peuvent être liés, par exemple, à un hobby, une passion, euh, développer une confiance en soi sur quelque chose de spécifique. Puis les besoins d'épanouissement, c'est sur le plan plus haut, par exemple. Euh, Est-ce qu'on veut entreprendre une carrière qui nous motive, faire des études spécialisées Est-ce qu'on veut développer un projet de passion qui nous tient à cœur Et il faut toujours penser à l'interrelation de ces besoins et ces désirs à nos choix de consommation. Plus nos besoins, nos désirs sont élevés, plus les choix qu'on va faire devront matcher. Euh, ses besoins et ses désirs. Donc, il y a des coûts qui sont associés et il faut pouvoir budgéter ces coûts. Et à tous ces choix viennent une responsabilité qu'on a en tant que consommateur. Euh, il y a certaines conditions sociales qu'il faut pouvoir prendre en considération. Euh, le respect de la personne humaine, les conditions de travail, etc. Est-ce qu'on veut se surpasser, se surmener, ou est-ce qu'on veut garder un équilibre vie professionnelle, vie sociale? Est-ce qu'on veut minimiser notre impact sur l'environnement, par exemple en choisissant des produits de saison, réduire les déchets, minimiser la consommation des ressources? Est-ce qu'on veut s'attaquer également aux inégalités? d'accès aux ressources, encourager l'agriculture, l'industrie locale, contrer la spéculation, etc. Consommer, c'est choisir. Choisir, c'est agir. C'est tout aussi simple que ça. Et vous avez une responsabilité, vous, en tant que parents, en tant que jeunes, de justement faire ces choix-là. Euh, à la consommation réfléchie, il y a tout un ensemble de facteurs qu'on peut juxtaposer, hein, les goûts personnels qu'on a, euh, le, le désir de réduction, de recyclage, de réutilisation. Il y a différentes valeurs qu'on véhicule, mais il y a des besoins réels auxquels on doit répondre. Il y a certaines nécessités de base qu'on ne peut pas contrer. Il y a certains critères de sélection qu'on va se fixer nous-mêmes. Est-ce qu'on veut encourager tel ou tel type d'industrie? Et est-ce qu'on prend en compte notre empreinte écologique et nos moyens financiers dans l'équation? Donc, au budget, il faut pouvoir justement additionner ces composantes les moyens qu'on a, les nécessités, les valeurs les goûts auxquels on adhère. Vous pouvez prendre différentes astuces pour réduire certains coûts. Par exemple, les coûts alimentaires, c'est quelque chose dont vous avez une certaine flexibilité, un certain contrôle, alors que d'autres coûts sont fixes et on a moins justement le contrôle. Par exemple, les taxes, le loyer, etc. sont prédéterminés par des économies de marché, alors que certains coûts variables dans le temps versus les coûts fixes, par exemple, on a plus de contrôle. Donc, c'est toujours important de justement voir quels sont les achats qu'on peut prioriser, certains achats qu'on peut éviter et certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Parlant de contrôle, justement, avez-vous déjà pensé à la question de l'épargne au placement avec vos euh, jeunes, avec vos adolescents? C'est une question très, très, très intéressante à aborder. Euh, parce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez long sur leur vie. Euh, les placements en tant que tels permettent de prévoir pour certains imprévus, de prendre, par exemple, des décisions maintenant pour notre meilleur avenir, pour lorsqu'on va prendre notre retraite, par exemple, etc. Euh, et il y a des étapes pour choisir des placements. Il y a cinq étapes, en fait, à prendre en considération. La première étape, c'est de se connaître comme investisseur. Est-ce qu'on aime prendre des risques ou on est très, très, très conservateur dans les choix qu'on fait dans le placement de notre épargne dans certains fonds? La deuxième étape, c'est de comprendre les placements disponibles. C'est quoi les produits financiers que les qui s'offrent sur le marché et quels, justement, placements seraient les plus appropriés? À la question des placements disponibles, il s'ajoute également à la question des régimes fiscaux. Donc, tout ce que vous devez nécessairement savoir pour le bon entretien de vos placements. Et choisir également l'étape numéro 4, c'est la répartition des actifs. Donc, comment ils vont se répartir dans un placement? Est-ce que vous allez prendre, par exemple, 90% de placements et qui donnent un rendement plus bas, mais qui... Constant ou est-ce que vous allez tout mettre, euh, par exemple, dans des hauts placements à risque? Euh, Peut-être que le marché va être favorable ou défavorable à vos choix. Donc, c'est très important de choisir la répartition de votre argent dans un placement donné. La dernière étape, c'est lire, comprendre l'information requise pour prendre des décisions qui sont éclairées. Et à ce, je vous recommande fortement d'aller consulter vos. Euh, personnes attitrées dans vos institutions financières qui pourront justement vous aider à faire le choix du bon placement pour euh, vos investissements. Euh, il y a différents types de placements. C'est bien important de comprendre, par exemple, les différents... Euh, type. Et il se découlent en plusieurs catégories il y a les titres d'emprunt qui sont une reconnaissance d'une dette de l'emprunteur envers l'investisseur. On prête de l'argent à une entreprise, similaire euh, lorsqu'une banque vous donne un prêt, qui inclut un taux d'intérêt que vous recevrez basé sur la valeur nominale de votre placement. Les, types par, les titres d'emprunt sont par exemple les certificats de placement garantis, les dépôts à terme. L'épargne à terme, les obligations d'épargne du Canada, les obligations et dépendures. Tout ça, ça constitue des titres d'emprunt. Il y a également des types de participation qui constituent un titre de propriété d'une société qui peut être constitué d'une ou plusieurs catégories d'actions. Ça peut être des actions ordinaires, des actions privilégiées, ça peut être par exemple du capital social dans une coopérative. Alors, on participe à la vie économique d'une entreprise, puis en retour, on regagne soit une ristourne, soit par la vente de nos actions, on a un gain en capital, etc. Et finalement, il y a les titres de fonds d'investissement qui sont constitués de sommes qui sont mises en commun par des investisseurs et qui sont gérées pour leur compte par un gestionnaire de fonds. Euh, on pense par exemple aux fonds qui sont négociés en bourse ou des fonds communs de placement, euh, euh, les, les fameux hedge funds en anglais, si on veut. c'est la troisième catégorie et chacun ont leurs règles spécifiques et leurs particularités. Et il y a quatre termes à comprendre lorsqu'on fait un placement. Il y a quatre grandes choses que vous devriez savoir. Le premier terme, c'est le capital. Ça représente le montant investi initialement. Donc, par exemple, vous avez 1 000, 5 10 000 dollars à investir. C'est le capital que vous allez investir dans votre placement. Le rendement espéré également, c'est le profit que vous prévoyez obtenir de vos placements. Puis ça va dépendre, par exemple, de la... du type de placement qui est fait et du risque que l'on est prêt à accepter. La liquidité, qui est le troisième élément, c'est la possibilité de récupérer rapidement son investissement sans frais ou sans pénalité. Et ça, il y a toujours des conditions qui sont, euh, disons, liées à la liquidité. Finalement, c'est la question du risque, c'est-à-dire la probabilité de perdre une partie ou la totalité de la valeur investie. Il y a des différents types de risques. Ça peut être le, le risque relié au crédit, à la contrepartie, au taux de change différentes politiques, etc. Et plus le risque est bas, généralement, plus le retour est faible, mais il est constant dans le temps. Un haut risque, souvent, ça peut être signe que Il y a énormément à gagner, mais il y a énormément à perdre également. Et euh, si vous voulez comprendre les placements, la durée du placement, la, la question de la durée, il y a différents types. Par exemple, l'épargne à court terme, à moyen terme et à long terme. Euh, quand on parle d'épargne à court terme, on parle souvent les comptes chèques, les montants minimaux, euh, ça permet d'éviter des, des effets sans provision, etc. Quand on parle de l'épargne à moyen terme, c'est les comptes épargne, ça permet de résister à certaines tentations, puis ça permet aussi de une planification de certains projets. Quand on parle d'épargne à long terme, c'est les dépôts à terme, les placements, les REER. Ça, c'est pour des projets qui permettent de faire fructifier l'argent sur le long terme. Euh, trois autres notions élémentaires à comprendre, euh, par exemple, sur la question des types de revenus de placement. Il y a les questions d'intérêt qu'on a déjà discuté, ou les dividendes, par exemple. Si vous euh, investissez dans une entreprise, une société privée, les dividendes sont la partie du revenu versé par l'entreprise à ses actionnaires. Puis le gain ou perte en capital, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un placement. Supposons que vous investissez une somme définie dans une entreprise et que euh, vous repayez, en, euh, vous, vous vendez ensuite votre placement après 30 ou 40 ans. La différence entre le prix-vente et le prix d'achat, ça va être votre gain ou votre perte spécifiquement. Donc, si vous avez investi, je ne sais pas moi, 10 000 dans une entreprise, que vous en retirez 100 000, vous avez fait un gain de 90 000 en 30 ou 40 ans. Ce qui est vraiment pas si mal, en fait. Euh, J'aimerais pouvoir faire de, de tels placements. Euh, Au régime fiscaux, euh, maintenant, il y a trois types à regarder, les REER, les CELI et les REEE. Les REER, en tant que tels, ce sont ni plus ni moins euh, un régime qui permet aux placements euh, de croître à l'abri de l'impôt. Euh, donc. Euh, C'est très simple, en fait. Contrairement aux deux autres qui vont être présentés plus tard, le REER constitue une stratégie de report de l'impôt sur les sommes investies. Euh, il y a plusieurs types de placements qui peuvent être déposés, par exemple des actions, des obligations, des fonds communs. Euh, ça peut être utilisé pour l'achat de maison, un très bon exemple. Euh, toute personne âgée de moins de, 100, de 71 ans, peu importe son lieu de résidence et un revenu gagné au Canada, Peut cotiser à un REER. Le compte épargne libre d'impôt ou CELI, il existe seulement depuis 2009, donc ça fait un certain temps que ça existe, mais pas tant que ça. C'est un régime d'épargne qui vous permet d'économiser à l'abri de l'impôt afin en fait de réaliser vos projets. Il y a certaines règles de cotisation qui, euh, euh, spécifiques au CELI qui euh, s'appliquent et les droits de cotisation sont cumulatifs. Et finalement, il y a les REE, ou Régime enregistré d'épargne-études. C'est un régime qui permet d'accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt dans le but de financer tout ou en partie les études postsecondaires de vos enfants. Donc, c'est une option très, très, très intéressante pour vous. Euh, on ne peut pas déduire de cotisation de votre revenu aux fins de l'impôt. Toutefois, les cotisations d'un Régime enregistré d'épargne-études donnent droit à une subvention spécifique, qui est la Subvention canadienne pour l'épargne-études. Donc, c'est une option très, très, très intéressante à regarder euh, de votre côté. Donc, une fois que vous avez compris les différents régimes fiscaux, euh, vous pouvez également penser à d'autres options par exemple les régimes de retraite euh, c'est quelque chose à discuter définitivement avec vos enfants dès un tout jeune âge parce que souvent à 16, 18, 20 ans on pense pas à la retraite mais lorsqu'on arrive sur le marché de l'emploi ça devient quasiment un réflexe naturel donc il y a deux types il y a les régimes à prestations déterminées et il y a les régimes à cotisation déterminée. Les régimes à prestation déterminée, c'est ceux dont le montant euh, qui sera versé à la retraite est déterminé, il est fixé d'avance. Puis à cotisation déterminée, c'est le montant versé à la retraite dépendra de la valeur des cotisations faites par l'employeur et l'employé. Donc c'est un régime où chacun des parties, dans le fond, met une cotisation spécifique. Euh, une fois qu'on a pensé à tous ces différents types de régimes fiscaux, on peut choisir la répartition de ces actifs. Rappelez-vous l'étape 4 que je mentionnais. Euh, le but, c'est de diversifier ces répartitions. De choisir une combinaison de différents placements euh, qui veut minimiser au maximum le risque et avoir le plus grand gain. Euh, en d'autres mots, on parle de diversification du portefeuille. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous questionner euh, sur différents aspects. Par exemple, quelle catégorie d'actifs je veux? Quel secteur d'activité est-ce que je veux investir? Est-ce que ça serait possible d'investir à l'international ou seulement au Canada? Euh, pour les fonds de placement spécifiquement, la diversification se fait euh, selon le style de gestion du fonds. Euh, donc, c'est très important de regarder de ce côté-là. Et si vous diversifiez suffisamment votre portfolio, vous serez en mesure de justement pouvoir tirer le maximum de vos investissements. Um. N'oubliez pas de lire et de comprendre l'information requise pour prendre ces décisions. Il y a un peu de lecture. C'est des devoirs à faire, définitivement. Et je vous encourage à regarder différents documents en la matière. Si vous investissez dans une entreprise, que ce soit une coopérative, une entreprise sociale, une entreprise privée, regardez le prospectus, qui est le document juridique qui contient complètement, fidèlement et clairement ce que vous devez savoir pour les titres de participation et les fonds d'investissement en question. Il expose notamment les facteurs de risque. Donc, avant de s'investir dans une entreprise, regardez définitivement euh, le prospectus. Regardez les sites web de vos institutions financières. Euh, regardez les états financiers si vous investissez dans une entreprise, les rapports de gestion, etc. Euh, recherchez l'information, ça vous évite définitivement énormément de casse-tête logistique. Euh, ça revient ni, ni, ni plus ni moins à une certaine devise popularisée dans les années 80 knowing is half the battle. Savoir, c'est gagner la moitié de la bataille déjà en partant. Maintenant que vous avez fait certains placements, maintenant que vous avez fait votre budget, que vous êtes au courant de votre possibilité de crédit, vous vous interrogez sûrement sur la question des gros achats. Hein, il y a différentes catégories qui peuvent rentrer ici. En tant que parent de jeunes, vous allez être sûrement confronté un jour à la question des achats de vos enfants, de vos adolescents, par exemple aux questions du transport, les appartements, la protection tout ce qui est relié en matière de protection du consommateur et la question des achats de cellulaires qui sont définitivement au goût du jour. Donc, il faut vous interroger sur ces quatre catégories. Par exemple, quels sont vos besoins spécifiques en matière de transport Est-ce que vous avez absolument besoin d'une voiture ou est-ce que vous pouvez utiliser des moyens alternatifs euh, Qu'est-ce qui est imaginable versus qu'est-ce qui est réel Peut-être une grande différence. Il y a différents facteurs à considérer. Euh, le coût mensuel de différents moyens de transport varie considérablement de la simple paire de chaussures en milieu urbain qui coûte moins de 100 et que vous pouvez vous déplacer librement d'un endroit à l'autre du centre-ville, mais qui est peut-être pas conviviable pour les déplacements en milieu rural qui sont sur des dizaines voire des centaines de kilomètres. Le vélo, l'entretien, la moyenne de l'entretien, l'achat d'équipement, etc., est de 400 dollars par année au Canada. Pour le transport en commun, selon votre région euh, urbaine ou périphérique, le coût total par mois peut varier entre 80 à 125. Il y a des exceptions à la règle. On pense par exemple aux régions de Montréal, Toronto et Vancouver. Ça peut être beaucoup plus en fait atteignant les 140. L'autopartage, donc pour les déplacements interurbains ou intraurbains, varie selon l'utilisation et le forfait. On parle, par exemple, de sites spécialisés qui peuvent faire des déplacements entre les grands environnements urbains ou les, euh, les relations entre la périphérie, les milieux suburbains et les milieux urbains. Donc, les, les frais vont varier considérablement le taxi reste une option euh, alternative euh, une moyenne au Canada qui varie selon les environnements mais de 25 dollars par 10 km environ et l'auto qui est le moyen nord-américain par excellence pour se déplacer le prix moyen au Canada est de 475 dollars ou plus par mois pour euh, le les frais d'entretien, d'achat, etc. pour un véhicule. C'est le frais moyen. Mais ça peut varier considérablement selon le type de véhicule, l'âge, le kilométrage, l'usure, l'intérêt. Il y a énormément de facteurs à considérer. C'est sûr qu'acheter une nouvelle voiture versus une voiture usagée, il va y avoir énormément de variabilité dans les frais mensuels. Quelques éléments à considérer pour l'achat d'un véhicule. Très, très, très important à discuter avec vos euh, jeunes adultes, adolescents et même enfants. Vous pouvez aborder cette discussion-là dès un très jeune âge. Euh, C'est toujours important de considérer l'utilisation prévue d'un véhicule. Euh, la durée des paiements, la mise de fonds nécessaires, les taxes à payer, les licences, euh, l'utilisation de l'essence versus les nouvelles voitures électriques, euh, le taux de financement disponible, les coûts des assurances qui sont très, très, très importants. Euh, les autres coûts à prévoir, par exemple les, les imprévus, les réparations, les changements d'huile, les pneus. Hein, au Canada, on est dans un environnement où des pneus de saison versus des pneus d'hiver, versus des pneus d'été, c'est un calcul à prendre en considération. Euh, D'autres facteurs peuvent être, par exemple, la question de l'achat versus la location, un véhicule neuf ou d'occasion. Hein, il y a toutes sortes de variables qui peuvent influencer le choix au final. Euh, regardez également pour les publicités des prix tout compris. Les commerçants d'automobiles doivent annoncer un prix tout inclus. Donc, faites attention aux rabais extravagants, trop beau pour être vrai. Il faut toujours pouvoir rechercher son information et pouvoir ne pas hésiter à poser des questions aux détaillants. Euh, vous avez justement euh, la responsabilité, mais également l'opportunité de poser autant de questions avant de faire un choix éclairé de consommation. Euh, à la question des véhicules, on peut superposer également certains des éléments pour la question du logement. Quels sont les critères qui aident à déterminer le choix d'un logement? Bon, on parle du prix, le type de logement, l'emplacement, le nombre de locataires, les frais divers, les particularités. Hein. De plus en plus, on regarde par exemple les environnements urbains euh, de la province, du pays qui, selon l'emplacement, le taux va varier considérablement. Il y a différentes étapes pour simplifier votre recherche d'un logement. Établissez vos critères. Hein, prenez des notes. Faites-vous un, un brouillon papier ou un classeur Excel ou un document Word. Établissez vos critères de recherche. Ça va vous aider dès le départ. Euh, faites le repérage de logements potentiels. Et si un bon truc que je vous donne, c'est si vous avez une carte que vous pouvez afficher sur un mur de la municipalité, etc., vous pouvez euh, mettre des points sur les... Euh, les endroits qui vous semblent potentiellement attirants. Vous pouvez planifier une visite pour chacun d'entre eux et regarder certains indicateurs. Par exemple, le taux de marchabilité, la distance par rapport au travail ou aux études, la proximité de certains biens ou services, comme par exemple l'épicerie, le cinéma, etc. Vous pouvez faire une analyse, si on veut, d'un du, score, si on veut d'un de la marchabilité de, du da, ou des déplacements nécessaires. Il y a certains sites spécialisés qui peuvent vous aider à calculer le, le, la localisation d'un logement potentiel. La visite sur les lieux est quasi obligatoire, à défaut de pouvoir visiter sur les lieux si vous êtes dans un autre environnement urbain ou rural. Prenez un ami de confiance qui peut aller visiter, prendre des photos, écrire des notes, parler euh, au propriétaire et qui peut faire un rapport détaillé sur la chose. Quand on déménage dans une nouvelle ville, c'est toujours bien si on n'est pas sur les lieux de pouvoir avoir un bon, une bonne évaluation avant d'entrer sur place puis, établir finalement des conditions de location, incluant la signature d'un bail. C'est quasi une obligation légale de signer un bail. Le propriétaire ne peut pas demander pour le numéro d'assurance sociale. Ça, c'est très, très, très important. Prenez-le en note. Seulement le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de le, du propriétaire actuel de votre logement. Mais il n'est pas tenu légalement de demander votre NAS. Euh, Lorsqu'on déménage dans un nouvel environnement, que ce soit pour un nouveau travail, nouvelles études, il y a différents facteurs à prendre en considération. Les frais de déménagement, par exemple, la location d'un camion, l'embauche de déménageurs, l'achat de boîtes de matériel, les frais de branchement à des différents services publics, les frais de réexpédition du courrier, par exemple, Post-Canada ou autre. L'aménagement de décoration, les meubles, la peinture, les rideaux, les lampes, l'assurance habitation, très important. Et pensez aux multiples autres dépenses que vous ne pensez pas nécessairement. Quand vous dites à vos amis, oh, je paye la pizza, je paye les, les rafraîchissements, euh, la première épicerie pour si on veut vo votre journée d'aménagement, c'est tout des frais qui peuvent s'additionner extrêmement rapidement. Une première épicerie pour tout, tout, tout garnir votre salade dîner peut facilement coûter en 300 et 500 Et ça, je parle par expérience. Moi qui aime cuisiner, ça va très bien, mais pour d'autres personnes, ça peut être une surprise. Euh, et parlant justement de déménagement, il y a des droits, des responsabilités du locataire. Vous devez légalement, vous êtes tenu de payer votre loyer, ne pas changer les serrures et maintenir le logement en ordre. Et bien évidemment, il y a des règles de courtoisie, comme par exemple, être un bon voisin. C'est pas tenu légalement, mais c'est une recommandation qui aide à diminuer le stress. Le propriétaire, lui, a des droits et responsabilités également. Livrer le logis en bon état, fournir un environnement paisible et propre, garantir l'usage normal et l'entretien de la propriété, faire les réparations nécessaires et ne pas changer le type de logement. Dans l'éventualité euh, où cela ne se produirait pas, il y a différents recours qui sont nécessaires. Euh, il y a tout d'abord simplement contacter le locataire et discuter avec lui. Ça devrait être toujours la première étape. Si ça ne fonctionne pas, euh, envoyez une lettre à, à votre locataire lui indiquant votre intention de déposer une requête auprès de la commission de la location immobilière de l'Ontario, la CLI. Euh, dans l'éventualité où le problème ne se règle pas, déposez votre requête auprès de la CLI en utilisant les formulaires prévus à cet effet qui sont disponibles sur le site Web. Donc, si vous tapez dans Google, Commission de la location immobilière, vous êtes en mesure de trouver les formulaires qui sont nécessaires. Euh, S'il y a médiation ou audience qui est prévue par la CLI en co euh, dans le cas d'un litige, euh, vous, vous avez l'obligation à ce moment-là d'y participer. Évidemment, pour vous protéger euh, en Ontario, il y a la loi sur la protection du consommateur, qui dont l'objectif primaire est de protéger les consommateurs ontariens et défendre leurs intérêts, tout simplement. Euh, la loi euh, revient au ministère des services aux consommateurs et il y a un guide de gestion des différents et des services de plainte qui est disponible en ligne. Ça peut être un excellent outil à consulter si jamais vous avez une plainte à formuler. Il y a des outils spécifiquement sur le site web de la loi, euh, voyons, de, euh, voyons, du ministère des services aux consommateurs que vous pouvez utiliser à votre bon escient. Euh, il y a quelques euh, aspects intéressants de la loi qui est bon à savoir, qui pourraient vous concerner définitivement quand on parle de choix de consommation. Par exemple, la valeur d'une carte cadeau. Ça, c'est des éléments qui se retrouvent dans la loi. La lecture optique des prix, les articles en sol, les délais pour retourner un item dans un magasin, les contrats avec un centre d'entraînement, euh, les contrats cellulaires. Tout ça fait objet de loi en Ontario. Il y a des modalités très spécifiques à. Euh, à suivre. Donc, si vous euh, remarquez que certains fournisseurs de biens ou services ne répondent pas à ces exigences, vous êtes en mesure de faire valoir vos droits. Euh, il faut distinguer, bien sûr, les droits et responsabilités du consommateur de ceux du commerçant dans toute transaction. Pour le consommateur, euh, il y a l'obligation d'être informé. De choisir le bien ou le service selon ses besoins, d'utiliser les biens ou services comme convenu et au besoin utiliser le processus de règlement de problème. Pour les commerçants, euh, s'il y en a certains d'entre vous qui nous écoutez et vous êtes commerçant, vous avez l'obligation de fournir des informations qui est juste et complète. Donc aucune supercherie, aucune fausse publicité, etc. Fournir un bien ou un service de bonne qualité qui convient à l'usage prévu de votre bien ou service. Et respecter les engagements en tant que tels, les engagements légaux, commerciaux qui concernent l'utilisation de votre produit ou service. Et bien sûr, vous avez l'obligation de mettre à la disposition du consommateur un procédé de règlement des problèmes. Si par exemple il y a un défaut mécanique, s'il si y a une non-satisfaction, vous avez par exemple des délais prescrits de 30, 60, 90 jours. Pour euh, régler des, certains problèmes, par exemple le retour d'un produit ou un service, etc. Donc, il doit avoir une disposition émise, un protocole à suivre qui est clair, net et précis. Euh, il y a différentes situations qui justifient de porter plainte dans le cas d'un tel litige. Euh, il est toujours important de s'informer, de faire valoir ses droits et de prendre des mesures nécessaires afin de régler la situation le plus rapidement possible. Euh, ces situations peuvent être par exemple la fausse représentation, un vice caché ou des garanties non respectées. C'est les trois situations qui justifient pour chaque consommateur de reporter une plainte directe. Et un des domaines où il y a le plus de plaintes malheureusement, c'est la question du cellulaire. Parce qu'il y a tellement de différents types d'appareils qui s'offrent sur le marché, euh, il y a différents budgets qui sont disponibles, il y a différents forfaits qui sont offerts et il y a différents besoins des consommateurs versus différentes utilisations. Le cellulaire est devenu un objet omniprésent dans nos vies. Il est important de savoir qu'il existe des protections, des droits, des responsabilités qui s'appliquent au cellulaire. Euh, donc, il faut. Prendre en considération ces quatre éléments-là lorsque vous faites l'acquisition justement d'un téléphone mobile. Quelques trucs à savoir qui sont très bons à savoir. Euh, connaissez les pénalités qui euh, justement pourraient euh, être envisagées dans le cas de l'annulation d'un contrat. Euh, les critères qui sont nécessaires pour différentes promotions. Les changements de forfait. Euh, Qu'est-ce qui arrive si le cellulaire arrête de fonctionner? Quelles sont les garanties, les procédures de remplacement, etc. Euh, quels sont les maximums, par exemple pour les frais de dépassement, les frais d'itinérance, etc. Il y a des maximums légaux qui ne peuvent pas être dépassés. Le danger de certains forfaits, parlant des cellulaires, c'est l'ajout de certaines options qui augmentent le coût. Euh, il y a certaines options que vous n'avez tout simplement pas besoin. Alors pourquoi les inclure dans un forfait Et faites attention aux gratuits pour une durée déterminée. Il y a certains dangers lorsqu'on souscrit à un forfait. Euh, et vous devez, c'est très important de pouvoir lire les modalités du contrat et de déterminer quelles sont les bonnes options pour vous. Euh, il y a différents avantages, évidemment, à avoir un cellulaire. Quand on a 16, 18, 20, 24 ans, euh, on a, par exemple, l'avantage d'être toujours disponible, de partager, de rechercher de l'information à tout moment. Avant d'être un cellulaire, le cellulaire est maintenant un ordinateur, donc on peut avoir accès à de l'information en tout temps, à tout moment, et ce, dans la plupart des régions géographiques de notre beau pays. Euh, mais on a également accès à de l'entertainment, donc tout ce qui est musique, photo, vidéo. Euh, il y a un sentiment de sécurité qui vient avec. Mais le cellulaire comporte certains désavantages, le risque de dépendance, les coûts augmentants, les risques d'endettement, les suivis nécessaires, le, le, le trop accessible. Ça peut poser certains problèmes de stress, d'anxiété les distractions qui peuvent être des risques d'accident, les problèmes techniques, les risques de fraude, etc. Donc, c'est très important que vous ayez la discussion avec vos enfants, avec vos adolescents sur l'utilisation judicieuse du cellulaire. Et souvent, l'acquisition d'un téléphone cellulaire vient à un moment crucial. C'est souvent conjugué avec le départ à l'étranger que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail. Et justement, parlant d'études, la première grosse dépense qui est entraînée dans la vie d'un jeune adolescent, d'un jeune adulte, c'est de faire un choix pour les études postsecondaires. C'est le premier investissement important qu'ils font et qui aide à se définir. Donc, c'est très important de voir... Quels sont les types de financements qui sont possibles pour les études? C'est la prochaine grosse section auquel on va s'attaquer. Il y a les REEE qu'on a vus précédemment. Il y a différents programmes pour aider à développer les deuxièmes carrières. Par exemple, Emploi Ontario en est un bon. Il y a différentes bourses qui sont possibles. Euh, par exemple, des établissements d'enseignement supérieur, les institutions financières, des fondations. Il y a des bourses d'études, il y a des bourses du milieu privé qui aident justement à financer les études. Il y a l'alternance travail-études, il y a les programmes études-travail, les fameux programmes Coop. Il y a l'aide financière aux études, qui est une aide offerte sous forme de prêt ou de prêt de bourse le fameux programme Raféo en Ontario. Et finalement, il y a les marches de crédit étudiantes. Chacun comporte ses lots d'endettement et son type de travail spécifique. Euh, certaines, comme par exemple le temps, travail à temps partiel, permettent d'augmenter l'autonomisation financière, euh, réduit les sources d'endettement. Euh, par exemple, ils viennent avec certaines contraintes. Par exemple, moins d'aide financière gouvernementale et le manque de repos, tout simplement. Donc, c'est de trouver un juste équilibre entre les deux. Il y a d'autres éléments à prendre en considération, autres que la diversification des sources de financement. Euh, la question des horaires, les, la question euh, des stages, à rémunération ou non, la question de la relation entre l'argent et la consommation. Différents étudiants vont avoir différents types de consommation euh, de produits et services. Donc, c'est très important de pouvoir avoir ces discussions-là et de voir quel plan d'études est le plus approprié et s'il y a des changements qui euh, vont s'opérer au cours des études postsecondaires. Aux études, on peut opposer également la question de l'emploi, qui est très, très, très important. Donc, comprendre, par exemple, la distinction entre le salaire brut, les déductions, le salaire net, euh, c'est une discussion que vous devriez absolument avoir avec euh, vos euh, enfants, adolescents, jeunes adultes. Le salaire brut euh, souvent reflète peu, en fait, le salaire net qu'on va euh, obtenir en fin de compte en raison des déductions qui peuvent être assez substantielles. On parle à ce moment-là d'impôts fédéral, provincial, les assurances-emploi, les régimes de pension. Euh, souvent, on pense qu'on fait un certain montant jusqu'à ce qu'on euh, fait le calcul de toutes les déductions nécessaires et ça nécessite des révisions substantielles du budget. Mais c'est bon d'être au courant quelles sont toutes nos déductions et justement quels sont euh, les montants auxquels on devrait prévoir à notre budget. La question du travail au noir aussi est très importante. Le travail sous la table, euh, les revenus non déclarés qui est interdit par la loi d'ailleurs, il faut que vous ayez cette discussion-là absolument. Et quels sont les signes pour reconnaître le travail au noir? Le, les produits achetés en argent comptant sans facturation, sans trace papier, est un très bon exemple. Travailler sans être sur la liste de paie de, de l'employeur. Le, le numéro d'assurance sociale qui n'est pas demandé par l'employeur du tout. Ça, c'est des signes qu'il y a du travail au noir qui s'effectue. Donc, c'est très important de pouvoir reconnaître les signes. Autre discussion que vous devriez avoir très certainement, c'est les règles qui encadrent les conditions de travail. Donc, les normes d'emploi par le ministère du Travail, les conventions collectives et les contrats de travail, tout ça peut avoir un arrimage très, très, très intéressant. C'est une très bonne discussion à avoir, par exemple, un souper quels sont les droits, les responsabilités de chacun et comment, par exemple, il faut respecter ces normes d'emploi. Euh, je vous encourage fortement à visiter le site web du ministère du travail et du gouvernement de l'Ontario pour plus d'informations sur le sujet comme par exemple certaines normes d'emploi on parle par exemple des heures normales le, le fameux 40 heures semaine et les heures supplémentaires qu'est-ce qui est considéré comme la limite maximale selon le secteur d'activité euh, les préavis de licenciement, le harcèlement en milieu de travail, les problèmes de paye, les stages, le salaire minimum en Ontario. Euh, C'est tous des sujets que vous devez aborder impérativement euh, qui peuvent apporter soit un lot de stress ou justement un sentiment de relaxation parce que si on sait que nos normes de travail sont respectées, on est plus à même de faire un travail de qualité et devenir le, le, le meilleur de soi-même. La question des impôts, des taxes également est définitivement abordée. Euh, l'impôt, euh, la différence entre les deux, l'impôt est selon le revenu, euh, la taxe est selon la valeur de l'achat d'un produit ou d'un service. Donc, très important à faire la différence. En, souvent, on confond les deux, mais c'est très important de faire la, la distinction sémantique. Euh, et ils ont des objectifs complètement différents. Les impôts, c'est pour payer pour les services offerts par le gouvernement, rendre accessibles certains services pour les plus démunis. Donc, c'est notre responsabilité légale en tant que citoyen canadien de payer les impôts annuellement et de payer les taxes d'achat sur certains produits. Euh, la déclaration des revenus, c'est quelque chose annuellement à prévoir. Toute personne ayant gagné un revenu quelconque dans l'année précédente doit produire une déclaration. C'est la loi. Personne ne peut s'en dégager. Il y a une vieille joke qui dit qu'il y a deux choses qui sont indéniables euh, au cours d'une vie, c'est la mort et les taxes. Euh, Ajouter à ça, euh, pour justement... enrichir sur la question des taxes, il faut produire une déclaration des revenus. Donc, euh, l'avantage de faire une déclaration, c'est qu'on permet de vous vérifier l'utilisation du crédit, des déductions, euh, pour réduire l'impôt à payer. Euh, si on n'a pas de déclaration, il n'y a pas de crédit d'impôt qui sont disponibles. Euh, et il y a une date fixe au Canada, c'est toujours le 30 avril, donc vous pouvez inscrire ça à votre calendrier. L'âge n'a pas d'importance. Dès que vous commencez à recevoir un revenu, vous devez produire une déclaration. Euh, les taux d'imposition vont varier substantiellement. Euh, il y a différents types d'imposition. Ça peut être au niveau fédéral, provincial, et ils vont varier selon le revenu. Donc, plus la gamme de euh, salaire augmente, plus votre euh, taux d'imposition va être affecté. Pour vous aider à comprendre justement l'arrimage entre le budget, l'impôt, le paiement des taxes, le paiement des dettes, tout ce qu'on a vu au cours de la dernière euh, heure, si on veut, je vous encourage fortement à aller regarder auprès d'une institution financière. Euh, il y a différents experts qui peuvent vous conseiller en la matière. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différents types d'institutions financières. Il y a les banques du secteur privé. Il y a les caisses qui sont des coopératives qui ont une direction locale et qui sont régies par des lois provinciales. Il y a des compagnies de finances et de cartes de crédit qui jouent avec les deux et qui permettent d'offrir différentes options selon votre choix. Donc, c'est très important de, de, de comprendre la différence entre banque et caisses. La banque relève du secteur privé et a une direction centralisée. Il relève des lois fédérales. Les caisses euh, sont coopératives, donc, il y a un modèle très spécifique. Euh, ils sont une direction locale et ils relèvent des lois provinciales. Il y a différents types de comptes que vous pouvez ouvrir dans une institution financière compte chèque, compte épargne, euh, euh, c'est possible par exemple de lier euh, à ces comptes-là des chèques, certains fonds spécialisés, euh, de par exemple euh, en, engager par exemple un compte épargne, un celi, vous pouvez générer des revenus d'intérêt. Donc il y a différentes options qui s'offrent à vous euh, auprès de vos institutions financières. Euh, je vous encourage fortement à magasiner alentour, faire le choix le plus judicieux et trouver l'institution qui reflète le plus vos valeurs. Parce que tout dépendamment si vous êtes ancré dans le local, dans l'économie privée ou si vous adhérez aux valeurs de la coopération, vous allez choisir différents types d'institutions selon vos valeurs spécifiquement. Donc, allez-y avec votre cœur et avec votre tête. Euh, aux institutions financières, il y a également toute la question des assurances. Euh, s'assurer après tout c'est faire un choix judicieux et éclairé l'assurance permet à une personne de transférer à une autre partie qui est l'assureur le risque d'une perte future en échange d'un prix souvent mensuel ou annuel tout peut être assurable s'il y a une chance de perte suite à un sinistre quelconque il est possible de s'assurer la vie d'une personne mais il doit avoir un intérêt où l'assuré doit subir une perte si la personne décède, par exemple, il est possible d'assurer un bien de propriété, maison, un automobile, etc. Il y a deux grandes catégories d'assureurs. Il y a par exemple les euh, régimes d'assurance maladie, par exemple en Ontario, qui couvrent les personnes, les citoyens ontariens. Et il y a les régimes d'assurance privés, qui par exemple concernent les médicaments, l'automobile, l'assurance responsabilité, l'assurance vie, l'assurance logement, etc. Et c'est possible de justement magasiner ces options. Euh, il y a quelques termes à retenir, par exemple, la question des couvertures, la question de l'exclusion, la question de la franchise et la question des avenants. Quand on parle de couverture, on parle essentiellement des détails de protection offerte dans votre contrat d'assurance sur un produit ou un service quelconque. Quand on parle d'exclusion, c'est les restrictions sur les garanties à cause d'un risque trop élevé. Par exemple, si vous êtes dans une zone inondable. La question de la franchise, c'est ce qui rend l'assuré responsable d'un montant minimum lorsqu'il y a une réclamation. Par exemple, le, le minimum requis peut être, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 Et l'avenant, c'est le document écrit qui apporte des modifications au contrat type après la formation du contrat d'assurance. Processus de souscription à une police d'assurance. Il y a trois grandes étapes fondamentales. Tout comme euh, certains autres processus qu'on a vus au courant de ce webinaire, il faut d'abord déterminer vos besoins. Il faut comparer les options et il faut justement passer à l'action avec l'acceptation de la meilleure offre pour vous selon vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions, peut-être même rencontrer un courtier d'assurance. Et justement, poser des questions qui euh, répondront à toutes vos exigences. Donc, on a vu pas mal de matériel. Ce programme a fait un tour d'horizon sur plusieurs sujets de finances personnelles et vise à vous équiper à parler avec vos enfants de ces sujets spécifiques, incluant différents choix de consommation, l'utilisation de crédit, le risque, le surendettement. On a vu pas mal de stuff, en passant par le compromis entre acheter et épargner, les premiers gros achats, le financement, les études, etc. Mais ce n'est que la base. Euh, on a vu, entre autres, certains droits et responsabilités reliés à certains sujets. Ça marque aujourd'hui la fin de la présentation. Mais si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur certaines thématiques qu'on a vues, n'hésitez pas à nous faire parvenir un courriel, à nous téléphoner au CCO ou à l'institution financière de votre choix. Euh, ça va nous faire plaisir d'aller chercher les renseignements pour vous euh, si jamais vous avez des questions spécifiques sur la matière qu'on a vue aujourd'hui. Dans toute éventualité, si euh, vous n'avez pas de questions suite à ce webinaire, ça nous a fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et on espère vous revoir dans le cadre de nos activités à venir au courant des prochains mois. Bonne fin de journée et à bientôt.